Et oui, Docteur Spooky, le passé nous semble toujours plus beau. Oh oh, on dirait bien qu'il a une idée. Quelle est mignonne cette vieille petite araignée. Nous non plus, on n'aime pas trop le Docteur Spooky. Lâche-la. Voilà. Quoi? Mais ne la laisse pas dans cette capsule. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... L'araignée a rajeuni? D'accord, je crois que je vois où tu veux en venir, Docteur Spooky. La jeunesse, c'est se rebeller. Voyons voir si l'invention de Docteur Spooky fonctionne. Je crois que vous avez un peu trop tourné le bouton, les gars. Essayez encore. Ouah ! Non, je ne crois pas que... Bon, eh bien, si ça fait plaisir au Docteur Spooky, voyons le résultat. C'est une sacrée nuage de fumée, ça. Et, oh, il y a quelqu'un ? J'arrive pas à le croire. Il va falloir lui changer sa couche, le pauvre. Joyeux Noël. Venez tous dans le salon. C'est l'heure d'ouvrir les cadeaux. C'est Kango qui commence. À ton tour, Kit. Que peut être le cadeau de Cathy? Et voilà le tien, mon Kit. Oui. Vous n'allez pas avoir froid cet hiver. Mais il reste le plus gros des cadeaux à ouvrir. Quel super cadeau! J'adore! Et là là! Pas si vite! Avant d'aller jouer, il faut bien se couvrir. Voilà! Et maintenant, profitez de la neige! Wow. Comme c'est amusant. Une minute, les enfants. Regardez derrière vous. Une énorme boule de neige est à vos trousses. Et oui, c'est le Docteur Spooky qui l'a lancé. Et oui, vous glissez tout droit vers un gouffre. Mais Kango a un plan. Pile au bon endroit. La chute idéale. Et boule, roule, roule. Dans le mille. On dirait un bonhomme de neige. Regardez comme il est content. Il est mignon. Il a même un nez et tout. Un jour, on te donnera une bonne leçon, Docteur Spooky. Bienvenue à la minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va parler de recyclage. Vous avez sûrement déjà vu des poubelles de différentes couleurs près de chez vous. Ce sont des poubelles de recyclage. Et leur couleur nous aide à comprendre où jeter nos déchets. Les restes de nourriture et les détritus d'origine naturelle, on les jette dans la poubelle ordinaire. Les déchets contenus dans ces poubelles sont apportés dans une usine de recyclage. C'est là que les ordures sont fondues ou réduites en bouillie. Cette bouillie est ensuite utilisée pour faire de nouveaux objets qui nous serviront. Et le meilleur, c'est que ce procédé peut être reproduit indéfiniment.
Allez les enfants, on recycle. Sauvons l'environnement ensemble. Trop chouette. Banzaï. Tu ne tiens pas sur tes pattes, kangou. Yeehaw. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'assèche. Regardez là-bas, c'est le robot du Dr. Spooky. Allons prévenir les sirènes. Les sirènes, vous n'allez pas croire ce qu'on... Ah, vous êtes au courant à ce que je vois? Pourquoi es-tu si méchant, Dr. Spooky? Il faut faire quelque chose, équipe Super Zoo. Voilà le robot. Si on desserre ce boulon, son sac à dos s'ouvrira et l'eau coulera dans l'océan de nouveau. Génial! Aux capsules de transformation! Kangou. On va rendre son eau à la mer, Spooky. Tiens-toi prêt. Quelle bonne idée, Monkey. C'est vraiment très haut, dites donc. Mais il est déterminé, il se prépare, il prend de l'élan. Beaucoup d'élan. Et il s'envole. Bien visé. Régale-nous avec un de tes dessins, Kangou. Quelle super idée! Un outil pour desserrer le boulon. Allez, Kangou! C'est ça! Très bien! Oh non! À quoi il sert ce bouton? Attention, Monkey! Non! Mets les bouchées doubles, Kangou! Ça y est! Tu as réussi, Kangou! Au revoir, Dr. Spooky. Mais où est Monkey? Tiens, le voilà. On dirait qu'il s'est fait un nouveau copain. Et voilà Kangou. Vous revoilà, nos amis les sirènes. On est ravis que vous soyez saines et sauves. La mer est de nouveau superbe, vous pouvez reprendre votre partie de cartes. Ne trichez pas, hein? Il faut toujours être bon joueur. Toujours être bon joueur, prends-en de la graine, Dr. Spooky. Bienvenue à la Minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle façon d'aider l'écosystème. On se lave les dents tous les jours. On devrait, du moins. Et quand on se lave les dents, on laisse le robinet ouvert. On gaspille des litres et des litres d'eau pour rien. Voici une astuce. Fermer le robinet, c'est un geste très simple qui permet de rendre le monde meilleur et plus durable. C'est ça, les enfants. Génial! C'est en faisant des petits changements dans notre quotidien
qu'on aidera notre planète. Sauvons l'environnement ensemble. Bienvenue à la Minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va en apprendre plus sur la déforestation. La déforestation, c'est la disparition des plantes. Les arbres sont les boucliers qui empêchent la pollution d'atteindre l'atmosphère. Malheureusement, les niveaux de pollution ne cessent d'augmenter et il y a de moins en moins d'arbres. Sans les arbres, les rayons du soleil ne rebondiraient pas, ils resteraient coincés sur la Terre. C'est pour ça que les températures n'arrêtent pas d'augmenter. Et en plus, la pollution nous rend malades. Et à cause de la disparition des arbres, beaucoup d'êtres vivants perdent leur maison. Mais il n'est pas encore trop tard. Comment peut-on en finir avec la déforestation? En plantant des arbres, en ramassant tous nos déchets pour éviter que les arbres tombent malades, en apprenant à aimer la nature et en encourageant tous nos amis à en faire de même. Sauvons l'environnement ensemble.